Abonnez-vous à la chaîne pour voir les dernières vidéos. C'est une histoire digne d'une comédie romantique. Le pitch, ils se rencontrent sur le plateau d'une émission de télévision et ils tombent amoureux. C'est en effet lors du tournage de la quatrième saison Danse avec les Stars, en 2013, que Grégoire Lyonnais et Alizée se sont rencontrés. Leur histoire d'amour est née sous le regard de millions de téléspectateurs. Et après leur victoire du concours, le danseur et la chanteuse ne se sont plus quittés. Ils se sont installés en Corse, ils ont ouvert un studio de danse, et ils se sont mariés. En juin 2016, Grégoire Lyonnais et Alizée se sont dit oui pour la vie. Quelques années plus tard, en 2019, ils ont accueilli leur premier enfant, une petite sœur pour Annie-Lee, née du mariage d'Alizée avec Jérémy Châtelain, prénommé Maggie. Depuis, la petite fille fait le bonheur de ses parents. Mercredi 18 août, dans sa story Instagram, c'est un de ces moments de bonheur et de complicité avec sa fille que Grégoire Lyonnais a partagé. Il a publié une photo sur laquelle Maggie, qui fêtera ses 2 ans en novembre prochain, vole dans les bras de son papa, comme bébé dans les bras de Johnny dans Dirty Dancing. Le danseur a d'ailleurs accompagné sa publication de la musique du film culte Ived, The Time of My Life. Il semblerait que Grégoire Lyonnais et Alizée inculquent à leur fille leur amour pour la danse et la musique depuis son plus jeune âge. Maggie deviendra-t-elle chanteuse comme maman ou danseuse comme papa? À suivre.